Ce que la pseudo-révolution numérique est censée nous apporter, c'est nous rendre plus libres, c'est offrir plus de choix. Mais qu'est-ce qu'on apporte vraiment comme choix? ADSL ou satellite? Windows ou Mac? Gris clair ou gris foncé? Gore ou Bush? Payé à crédit ou bien en trois fois sans frais? On gagne beaucoup d'argent, des tonnes d'argent. On a de monstrueuses campagnes publicitaires qui vendent les produits inutiles et encombrants de multinationales corrompues et avides de bénéfices. Nous sommes comme asservis par la technologie. Le ciel s'assombrit quand la foutue industrie nous entraîne dans sa chute. Plus aucune lutte dans ce paradis artificiel de nantis. Embourbés jusqu'au cou, ce ne sont que des voyous. Alors qui sommes-nous? Et puis que ferons-nous? Le jour où nos cerveaux seront des puces Intel, lorsque nos cabots seront des animaux Apple. Un artiste numérisé avec du son en kilobits qui froisse le papier de la boîte à musique. Voici la chair et l'os qui engendre des gosses qui se baignent dans le pétrole. Tout est sous contrôle, le vrai se pixelise afin qu'on le façonne. Nous sommes matérialistes, greffés au téléphone. Le rationnel se dégomme et l'enfer nous surplombe quand l'hécatombe se consomme à 60 images par seconde. L'histoire se répète et l'apocalypse nous guette. 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 Les pieds sur un sol qui nous sert de décharge. On nous parle de protocole, je n'oublie pas nos carnages. Alors que nous détruisons, nous nous glorifions. En pleine illusion, nous parlons d'évolution. Nous nous sommes condamnés, nous avons programmé par excès de vanité la fin de l'humanité. Cet air suffocant que respirent nos enfants, l'odeur perfide de l'argent qui réjouit tous ces gens. J'en ai marre, je voudrais voir autre chose que ce béton qui déclenche des marées noires. D'horreur est ma vision, mais la machine est lancée. La planète est dévastée, nous avons tout saccagé, tels des hommes civilisés. Du poison en tout genre, au fond de nos assiettes. Tel est notre sort et nous ramassons les miettes. 7 milliards de coupables et une poignée d'intouchables, victimes de leur ego, on fait couler leur afio. L'histoire se répète et l'apocalypse nous guette. 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 Le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie de rendre le monde un peu moins pénible ou plus chiant? Ou plus chiant? Le problème, c'est que on ne sait pas ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie de rendre le monde un peu moins pénible ou plus chiant? Il disait que, avec les progrès de la technologie, on pourrait faire croire aux gens à peu près n'importe quoi.